Hello bien le bonjour à tous et à toutes, et oui, je sais pas si vous avez connaître cette musique, elle est pas mal la musique, et oui. C'est la musique de Frigel et Fluffy, qui est vachement pas mal. Et oui, alors maintenant, on va se mettre sur pas mal de petits mystères sur GTA. C'est parti. Le premier mystère est là. C'est parti. On va y aller. Alors, je vais faire demi-tour. Bon, je vais couper la vidéo. Pas la vidéo, non. Oh, une photo. Vas-y, prends-moi photo. Merci. T'es bien sympa. Le petit mystère. On va y aller. Hop. Alors, on va passer par là. Par là. Bonjour, monsieur. On va passer par là, et oui. Hop là. Oh, toi, je t'ai vu. Je te klaxonne. Mais voilà. Maintenant. Alors, ce mystère-là, c'est une phrase écrite sur un mur. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette phrase? Pourquoi sur un mur et pas sur un panneau ou quoi que ce soit? Et non, alors je sais pas si vous avez vu l'endroit, c'est au niveau de l'autoroute. Je sais pas si vous le connaissez ou si vous êtes passé par là mais que vous n'avez pas fait, comment dire, attention. Et voilà. Alors vous avez dû le faire attention ou pas, mais c'est pas mal. On fait passer par là? Oui. C'est une phrase écrite sur un mur. Bon, toi, c'est pas tout, mais t'es long. On va y aller. Alors, faut déjà traverser le pont. Oups. Voilà. Faut traverser tout ça. Voilà. Je zigzague entre les voitures. Et c'est ici, là. Voilà. Vous vous mettez ici, et voilà. Juste. Voilà. C'est tout ça. Non. Je vous laisse lire. Ceux qui sont bons en anglais, c'est bien. Mais sinon, vous pouvez faire pause. Écrire ça sur Google Traduction. Et voilà, je vous laisse lire. Voilà. Maintenant, on va passer. Ah, j'ai plus de vitre à l'avant. Et j'ai un gros. Maintenant, on va passer ici. Sur cet endroit-là. Mais avant, je vais vous faire passer ici. Et là, bah, on va aller en hélico que c'est mieux. Voilà. Alors, c'est parti. Pardon. Alors, j'espère qu'il y a un passage. Oui, on va passer par là. Oh, c'est beau quand c'est contrôlé, mais que c'est beau. Faut tourner, monsieur, à la fin. Au bout d'un moment, faut bien tourner, hein. Alors. Non, c'est encore trois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. J'ai bien vu. C'est cassé la gueule. Attendez. Je remets ça 2 secondes, hein, les amis. Oui, je suis en pantoufle et puis ça fait quoi? Voilà.
Oui, en fait, mon trépied de caméra il est cassé. Je suis désolé. Mais je vais voir en racheter un autre. En fait, c'est le support qui ne tient plus. Voilà. J'espère que ça va tenir. Je vais plus toucher. Bon, on en est à... Oui. Alors, je disais que j'allais prendre un hélico. C'est parti. Alors, c'est tout droit. Et... C'est beau tout ça, regardez. Hop. Hop. Frein. Oui, contrôlé. Hop. Tu veux pas t'ouvrir? Hop. Hop. Voilà. Oh, il est en or celui-là. Non, je vais pas changer. C'est parti, maintenant. Vous êtes là, vous allez aller ici. Alors, normalement, vous connaissez le truc des travaux. Vous allez à l'aéroport. Bah, il y a l'aéroport qui est là. Et Los Santos. Et bien, vous allez ici. Allez, monte! Et c'est parti! Une bonne promenade dans l'hélico, ça fait pas de mal. Sinon, dans cette vidéo que je fais là, il y a un bonus. Je le dis pas que c'est un bonus. Ce bonus là, il est assez particulier. Pourquoi? Eh ben, il est particulier, voilà. C'est un mystère que j'ai trouvé ça bizarre. Oui, il est bizarre ce mystère. À mon avis, vous avez dû passer par là et que vous avez jamais fait gaffe. Ou peut-être si, ou peut-être que non. Voilà. Dégage l'hélico, sinon je te rentre dedans. J'ai dit dégage, sinon je te rentre dedans. Voilà, je te rentre dedans. Pour dire bonjour. Voilà. Vous connaissez cet endroit-là. Là où il y a la prison. Là où il y a le chantier. Voilà. Le fameux chantier. Et c'est pile ici. Pas dans le chantier, mais là. Voilà. On va sortir les roues. Où est-ce que je vais me garer en hélico? Bah où je vais me placer en hélico? Là. Non, ça c'est les arbres. Oh, j'ai pété les vitres. C'est pas grave. Voilà. Et ici, je sais pas si vous le connaissez, on peut rentrer dans le custom. Voilà, avec les portes de garage qui s'ouvrent. L'atelier de peinture. Pardon. L'atelier de peinture qui est à côté. Voilà. Tout ça ici. Et voilà. On peut y rentrer. Alors, je vais un peu, comment dire, me dépêcher que bientôt, il y a une surprise qui peut être pas mal. Ah mince. On ne peut pas utiliser les armes. Alors, désolé si vous entendez du bruit. C'est que il y a un peu des travaux à côté de chez moi. Il y a de l'eau qui coule. Il y a une fuite d'eau. J'ai une fuite d'eau. Maintenant, on va aller directement. Allez, on a le temps. Quoique... Non, on est en hélico. Celui-là, je vais pas le faire. Je vais le faire dans une prochaine vidéo. Voilà. Que
En fait, je vais passer directement à lui. Il restera un secret, un mystère, mais c'est pas très grave. En fait, c'est, je vais vous le dire. C'est dans une mission où c'est Michael, Trevor et Franklin qui se retrouvent avec Lester et un gars de laboratoire. Et en fait, c'est le laboratoire de Trevor, Michael et Franklin. Voilà. C'est dans une des missions, voilà. Et on va le faire plus tard. En fait, c'est dans la ville. Bah, petite ville. Et on peut accéder en cassant une fenêtre. Par contre, si vous descendez en bas, qu'il y a un sous-sol, si vous descendez en bas, vous avez le droit à 2 étoiles. Me demandez pas pourquoi, je n'ai pas compris. Ce mystère-là. Et après on passe au bonus. Ce mystère là est bizarre. On va y aller. Tout doux. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie de piloter un hélico. Là je suis un peu sur la route. On va se foutre ici. Ouais. Alors ce mystère là, il est particulier. Déjà, on va regarder s'il y a un fusil. Ça se passe à peu près au-dessus du pont. Et en fait, ça se passe dans la nuit. Alors, on va attendre tranquillement. Pendant ce temps, je vais faire un tour là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir? C'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Vous avez vu, des fois, il y a des belles voitures. Par exemple, celle-là. Celle-là ou elle, mais j'ai une astuce pour les avoir gratuites. Et ouais, par exemple, Joël qui coûte pas mal d'argent, et ben je l'ai gratuite. Comment faut faire? Et ben dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer. Alors, par contre, là-dessus, je sais pas si on peut essayer. Et vous avez vu quand même. 4 500 $. Je vais voir si ça marche en faisant là-dessus. Et je sais pas si ça marche aussi sur les vélos, sur les avions et sur le site de l'armée. On va essayer. Alors on va essayer pour une prochaine vidéo. Normalement, non. Pas tout à fait nuit. C'est pas tout à fait nuit pour. Là. Non. J'ai 2 grenades au cas où. Je regarde un peu ce que j'ai dans mon inventaire que je fais jamais gaffe. Oh! En ce sens, on va faire le tir au pigeon. T'es trop loin. Là, j'ai un gros pigeon, là. Non. Ah! Désolé, je suis un peu nul, ça. Oh! Au musqué! Là, 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 là. Oh! C'est un avion ça, non? Je suis nul! Sur la place, j'arrive bien! En même temps, ils sont posés. On va peut-être le voir là. Non, toujours pas. On va s'en occuper. Moi j'ai plus de bol. Bon. Pigeon, pigeon. T'es où? Ah, il s'approche, il s'approche. J'ai déjà vidé un cartouche.
C'est un avion, ça, c'est pas possible. Non, c'est un oiseau. Non! Je suis nul. Attendez. Fumier, reviens là! Je veux pas te tuer! Bon, est-ce qu'il y est? Non, toujours pas. Hein. Attends, il est où le pont? Il est là. Faut qu'il fasse bien nuit en fait. Bon. Regarde en même temps, hein. Je suis désolé mais je regarde mon portable. J'efface. J'efface. J'ai une idée. On va appeler la police. On va faire une blague. La police. Merci de votre visite, la police, elle arrive bientôt. Alors, on va ranger l'arme. Normalement, elle arrive. On va se planquer, on va se planquer. Bah. D'accord. Normalement, on peut le voir là. Il est où? C'est ballot que là, j'ai en train de faire mon train de truc pour rien, sinon je passe directement au bonus. Bien le voir ou pas? Il est là normalement. Ou alors il est ailleurs. Je suis au bon endroit, bah oui, je suis au bon endroit. Attendez, je regarde. Et pourtant, je suis au bon endroit. Il y a un lampadaire là. Il y a une heure ou pas? Je pense pas. Allez. Attendez. Il est là. Il est là, là. On va pas le voir. Je sais pas si vous le voyez. Il est ici là. Attendez. Oui, il est là. Oh merde. Il a despawné. Bref, il est cet endroit là. Vous pouvez le voir. Il y est. Mais là, j'ai pas pris le fusil prison. Je sais pas si vous voyez, ici, il y a un carré rouge, et là, il y a une croix, ici. Alors, à mon avis, il y a un truc, déjà on peut voir la croix, regardez, la croix, elle est là. Vous voyez, ça forme une croix, et il y a, comme s'il y a du sang qui a été coulé. Je sais pas si vous voyez, ça fait un tout petit point rouge, là. Juste là. Bref, je vous ferai montrer dans une vidéo, hein. Dans une prochaine vidéo.
Maintenant, et oui, vous l'attendez tous, le fameux mystère. Vous allez ici pour ce mystère-là. Ici, là. Vous voyez, il y a l'aéroport. Et bien, vous allez ici. Voilà. Alors, c'est parti. Je suis désolé, mais je peux pas m'en empêcher. Je vais faire une dernière blague. Bonjour, vous avez appelé le 111. Merci votre pour être la police est en route. Et c'est là où on va se barrer. Vous voyez la police en bas là? Là, sur la route. Ne faites pas ça dans la vraie vie. Ne faites pas ça du tout dans la vraie vie. On peut recevoir une grosse amende et sévère. J'ai vu une vidéo où il y en a qui l'ont fait, mais avec les pompiers. Ils ont fait une blague pour dire que la maison de la voisine d'en face prenait feu. Les pompiers sont déplacés pour voir si. Ils pensaient qu'il y avait vraiment le feu, alors ils ont été se déplacer. Les pompiers sont venus. Ils ont appelé au bureau pour dire qu'il n'y avait pas le feu. Et ils ont fait des. Les jeunes, ils ont eu la police devant leur porte. Et ben, c'était une blague. Ils ont pris une grosse amende. Et puis voilà. Alors, ne faites pas ça pour de vrai chez vous. Que si vous appelez la police ou les pompes. Pied ou les urgences, et ben votre numéro de téléphone est enregistré avec l'appel et ils peuvent vous retrouver facilement. Alors s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Même si c'est pour déconner. Par exemple, vous faites une blague au secours et si quelqu'un d'autre essaye d'appeler, et ben le numéro, il y a déjà quelqu'un sur la ligne et ils peuvent pas penser aux autres qu'ils ont besoin ou quoi que ce soit. Que si vous appelez pour faire une blague et en ce moment par exemple il y a eu un accident, et ben celui qui a eu un accident ben, il peut pas appeler qu'il y a déjà quelqu'un sur la ligne. Voilà, pensez aux autres. Putain, je parle mais je suis déjà arrivé sur les lieux. Alors c'est ici. Voilà, c'est ici. Atterrir. Bon, là, je m'en fous, je suis sur la route, hein. Je peux pas faire mieux. Il y a la police. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est l'agent, hein, je suis pas là. J'en ai pas pour longtemps. Voilà. C'est ici, le fameux mystère. Voilà. Quelqu'un s'est fait enterrer ici. Voilà. En train de tirer, d'accord. Voilà. Le mystère est là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, mes amis. Voilà. Et maintenant, bah. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. D'accord, mon hélico a des phares. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en rappelle même plus. Je voulais vous dire quelque chose à propos de. Pas d'un mystère, mais. De maintenant, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince!
Je me rappelle plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va me revenir, ça va me revenir. C'était à propos de GTA. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était un grand secret. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va laisser l'hélico. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et eh ben non. C'est un troll, les amis. Trolla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 l